C'est une histoire de rencontre, en fait, avec Miss Yuan Li, en fait, qui est chinoise. C'est une rencontre que j'ai faite à Nîmes, et, parce que son mari est restaurateur, et j'allais très souvent manger dans ce restaurant chinois qui est excellent. Et c'est là que j'ai rencontré Yuan. Et de fil en aiguille, elle est venue à l'atelier, on a parlé, elle a vu mon travail, et elle a souhaité, elle m'a dit, mais pourquoi ne pas le montrer en Chine? J'ai dit, oui, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup l'acte de Caroline. Ça fait comme ça, je peux donner l'idée, c'est possible de faire l'expo en Chine. Je vous voudrais, c'est bien présenté ici pour l'échange de culturel. Parlez pas, c'est pas grave, il connaît pas le français il connaît pas le chinois, c'est pas grave, mais tu peux passer la tableau, l'acte pour échange. Je pensais ça, donc je présentais. C'est une histoire de rencontre tout ça, une histoire de rencontre dans la peinture, quoi. Enfin, dans l'art. Et je trouve que là, on est en pleine noblesse de l'idée même de l'art, de réunir les gens au-delà des différences, au-delà des cultures. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le langage, on est juste dans le ressenti. Ça passe pas, mais on est dans l'émotion. Là, il n'y a plus de barrière. Donc là, c'est... Et effectivement, à la fin, quand ils ont souri, j'étais contente. C'est très particulier comme expérience parce que tu te retrouves là et surtout t'es confronté à un milliard de problèmes quoi. Et en plus il faut produire les pièces, donc quand tu te retrouves dans la fabrication des pièces, ce qui est encore déjà pas forcément évident chez soi quand on parle la même langue, mais tu peux imaginer quand on est en Chine où c'est complètement différent. C'est con parce que franchement ça peut avoir de la gueule quand même. J'ai jamais fait ça. On en est au plan Z. Donc après, j'ai des gens, j'ai une équipe en France là, qui travaillait aussi sur le projet, donc qui sont venus, notamment Adrien Compan qui est venu maintenant, ça fait un mois et demi qu'il est là, et qui m'a accompagné dans cette aventure, comme beaucoup d'autres, quoi, mais qui était là physiquement. Et c'est vrai que ça m'a aidé. Mais c'est à un moment donné, c'est plus qu'une exposition ou une aventure, c'est une expérience, quoi, c'est une expérience de vie, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est, on va, c'est très étrange comme sentiment. Eh bien, toujours la continuité de cette aventure, il se trouve qu'en fait, j'ai eu un prototype d'un élément de l'Oculus, et en fait, ce prototype, en fait, il a disparu. Donc en fait, quand il est arrivé, j'avais hâte de le voir, il appréhendait un peu.
Et en fait, ils sont arrivés, ils ont commencé à débarquer les éléments. C'est toujours un moment qui est un peu intense, qui est un peu extrême. Donc du coup, je suis partie, je me suis dit, ça ne vaut pas que tu restes. Et je suis revenue une fois qu'elle était installée. Adrien, c'est lui qui l'a mis en place. Donc en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, parce qu'au début, en fait, il y a des plastiques dessus. Donc tu l'as mis en place. C'est quelque chose de pas forcément évident, mais les Chinois, alors là, ils sont super bons. Ils ont super bien géré leur truc. Est-ce que m'a dit Adrien, hein. Il n'y avait pas besoin de voilà, ils savaient exactement où les pièces allaient, parce qu'il y a 130 éléments. Donc il fallait pas se planter dans une référence, hein, parce qu'après ça peut tout chambouler. Enfin, ils sont restés toute la nuit, hein, la journée, la nuit, jusqu'à temps que ce soit fini et qu'elle soit disposée, quoi. Voilà. Elle a pris beaucoup de place dans le projet, cette pièce. Mais à la finale, en fait, elle est superbe. Elle tombe bien là où il faut, c'est exactement ce que j'avais en tête. Elle correspond. En plus, il faut savoir quand même que ce lieu, en fait, c'est le plus grand lieu d'exposition qui a été construit à Nanjing. Et je vais rendre hommage à cela. L'oculus, en fait, c'est les ouvertures qu'on retrouve dans les lieux sacrés. En fait, ça représente une ouverture, une fenêtre. Et donc effectivement, par rapport à ce lieu donc, qui est assez immense et qui est constitué de verre et de maillage de fer, en fait, je voulais venir jouer avec ça et prolonger ce lieu au-delà du sol. Et c'est pour ça que j'ai souhaité cet oculus en référence à cette ouverture en fait, qu'on retrouve dans les lieux sacrés. Et pour aller encore au-delà de ce gigantisme. L'obsession de la lumière. Adrien, en fait, lui, c'est un ami de longue date. C'est lui qui a construit toutes les infrastructures de manière à ce que Jean-Pierre puisse travailler, faire les essais à l'atelier donc à Nanjing. Il fait la mise en place, il fait l'aspect technique. Il est important à plein de niveaux, quoi, sur la réalisation, surtout sur la réalisation, quoi. Et du coup, bah, il est venu pour 15 jours, ça fait un mois et demi qu'il est là. Soutenu aussi psychologiquement, il m'a accompagné, il était là dans les moments qui étaient difficiles. C'est un homme de grande valeur, c'est un homme assez, qui est précieux d'avoir à ses côtés. Il y a un truc qui marche pas. Ah, là il y avait 2 mètres. Il y a plus de 2 mètres là. Avec Jean-Pierre Michel, en fait, là où ça a été extraordinaire, enfin vraiment, enfin moi je suis extraordinaire, mais où ça a été une vraie rencontre, c'est qu'il a complètement compris ce que je ressentais, ce que je voulais. Et donc du coup, il n'y avait pas à expliquer, et en plus j'aime pas quand il faut commencer à... Parce que ce n'est pas des choses qui s'expliquent, et on est sur le ressenti. Et ça, il a complètement capté en fait le sens de mon travail et vers quoi je tendais. Et donc du coup, ça a fusionné, quoi, ça a fusionné. C'était vraiment une très belle rencontre avec Caroline dans un atelier. On a eu plein de petits moments où justement quand on cherchait les formes, donc elle était avec ses plastiques et puis moi avec la lumière sur une perche en bois. Et voilà, c'est quelqu'un qui donne pas mal sa confiance pour que tu puisses travailler et lui proposer des choses. Une fois qu'elle te fait confiance et qu'elle te dit vas-y, amuse-toi et voilà, c'est une vraie collaboration que je trouve formidable.
Il y a des choses qu'elle ne peut pas déléguer, qu'elle, parce que c'est ça touche à son intimité, à son intime. Elle sait exactement ce qu'elle ne veut pas. Sachant ce qu'elle ne veut pas, du coup, tout le reste est possible. Avec ça aussi, il y avait de l'univers, un truc magique, où pareil, on a travaillé entre la réflexion et la diffraction de la lumière, qu'elle avait déjà expérimenté avec la lumière naturelle du soleil. Donc voilà, c'était de recréer ce qu'elle avait trouvé à l'intérieur, donc du coup avec une lumière artificielle, et aussi pareil, un mouvement, un truc, une diffraction de la lumière qui est assez magique, quoi. Il y a une chorégraphie de lumière en fait verticale qui évolue en fait, et donc effectivement il y a quelque chose de très méditatif et quelque chose de très reposant. Donc c'est vrai que je voulais l'installer ici parce que ça s'y prêtait, parce que il faut dire quand même qu'il y a, un cheminement en fait comme ça de l'exposition, et elle avait sa place dans cet endroit-là. Et c'est ça un peu l'idée aussi de ce parcours, de cette exposition, ce rapport au corps humain en fait. Il faut savoir que dans cette histoire-là, la notion de temps était très étrange. Et je pense que tout le monde l'a éprouvé. Et c'est vrai que le jour où en fait, les pièces ont été enlevées de l'atelier pour être installées au musée, moi, je n'ai pas du tout réalisé qu'on commençait l'installation. En fait. J'étais en train de travailler sur les communications, je fournissais des documents, je faisais les signalétiques en fait, de l'exposition. Et je n'ai pas du tout réalisé qu'on rentrait dans la mise en place de l'exposition. Donc il y a eu un moment de flottement là qui n'était quand même pas piqué des verres. Mais ça, c'est dû, on s'est fait un débriefing hein, après avec Adrien et Jean-Pierre. Et il y a quelque chose, on était un peu hors du temps. Il y a quelque chose un peu hors du temps. Et du coup, tout le monde a mis la main à la pâte et ça a été une chaîne humaine extraordinaire, extraordinaire, quoi. Monsieur Lee, il était là 24 heures sur 24. Monsieur Lyon est revenu. Il a nettoyé l'Oculus la nuit. Enfin, tout le monde s'est donné à fond. Donc, dans ce genre de situation extrême où je répète quand même qu'on n'avait que 3 jours pour investir 3000 mètres carrés, finalement on s'est retrouvé dans une situation extrême, mais du coup, où tout le monde se rejoint, quoi. Tout le monde se rejoint parce que tout le monde a le même objectif, il faut que ça ouvre et que ça se passe dans les bonnes conditions. Voilà. Oui, mais c'est pas grave. En fait, c'est Monsieur Rock, ça dérangeait. Mais moi, ça m'est égal. Alors, les phylactères, en fait, c'est une pièce, constituée en fait de bulles d'époxy. Enfin, j'appelle ça des bulles, mais en fait, c'est des pièces d'époxy que je coule. Alors ça, j'avais préparé effectivement en France. J'avais préparé 1800 bulles. Bon, allez. Il faut que je retrouve les trous maintenant.
Et en fait, l'idée étant de faire une fresque. Et donc, en fait, bah, j'ai été sans filet. Je l'ai fait dans le musée. Le cœur du travail, c'est en fait moi j'ai mon matériau, c'est la transparence. En fait, tout ce que peut me donner à voir, la transparence, c'est translucide. C'est même pas la transparence, c'est le matériau translucide. À partir de là, il y a énormément de choses qui peuvent se passer, que ce soit l'ombre portée, la réfraction lumineuse, les réflexions. Mais c'est vrai que c'est la base du travail et aussi évidemment l'aspect évolutif des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est vraiment permanent, c'est-à-dire qu'on change la lumière, le tableau il change. Alors les humaines, par exemple, le concept des humaines, c'est il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de tableau, enfin il n'y a pas de tableau. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est des films qui sont faits à partir de 6 microns et des fois on les voit pas. Mais l'idée c'était en fait d'inverser un peu les rôles, que l'ombre ne soit plus un épiphénomène mais devienne l'œuvre elle-même. Et ça c'était vraiment pour la série des emails, c'est ça quoi en fait. Mais évidemment c'est toujours c'est le centre de tout le travail. Même l'oculus qui est en miroir, il y a une annulation, il est transparent, il devient transparent dans l'environnement. Et il y a un mouvement forcément cinétique de par le déplacement du spectateur et de la lumière. Alors l'ouverture, alors font les ouvertures, bon, c'est toujours, il y a les tapis rouges, des personnalités, des dignitaires, il y a un côté très grandiose, et en même temps il y a beaucoup de rigueur dans la manière de faire, et d'un autre, c'est très bon enfant quoi, c'est très bon enfant, donc... Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est de pouvoir présenter, du coup il y a un regard assez pur, pas pur, mais frais. Moi c'est le public qui m'intéresse, ils sont là, oh, ben, bon, alors qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, hein, c'est pas le problème, mais c'est frais, et ça change. Et ouais, moi j'aime ça, c'est la vie quoi, c'est la vie en fait tout simplement quoi. Cette exposition de Mori s'est organisée par l'Association de la littérature et de l'art et le Consulat général de Suisse à Shanghai. Je souhaite un bon succès à cette exposition et aussi je souhaite un bon succès à la création artistique de Madame Tabernon. Merci. Donc bah, la journée s'est passée, on a été manger ensemble, et puis ensuite il y a eu les discours, il y a eu je crois 6 ou 7 discours, et même moi qui normalement est complètement apeuré et paniqué de faire un discours, finalement bah, j'ai été faire mon discours, et puis après bah, ils ont fait le tour de l'exposition, et puis apparemment les gens étaient contents, et nous on est contents, enfin toute l'équipe est contente, moi je suis satisfaite, je suis même étonnée. Le musée a pris des risques en faisant cette exposition, parce que c'est pas du tout dans la lignée muséale de cet endroit. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'ils montraient des installations. Et ça, pour eux, c'était quelque chose, c'était un grand risque. Mais bon, je pense quand même que le pari est gagné pour tout le monde, parce que c'était vraiment, tout le monde était dans le même bateau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'aventure était vraiment pour tous, quoi. Je peins donc avec de la résine,
donc transparente, hein, sur un support qui est transparent. Donc, tu n'as pas de repère visuel, t'as pas de repère. Et je ne pensais pas que c'était aussi étrange comme sensation, quoi, de perte et de lâcher prise, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, et de faire confiance à soi, faire confiance au tableau, si je peux dire. Mais c'est vrai que c'est complètement étonnant. Il n'y a pas de repère, quoi. Voilà. Et je voulais, et que finalement, ce tableau se révèle une fois qu'on pose la lumière dessus et qu'on l'éclaire, quoi. Mais c'est un rapport à l'intime, au geste, à l'intuition. Je sais pas trop comment expliquer, en fait. C'est vraiment. Mais il y a quelque chose qui est. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez proche de la peinture chinoise, une certaine forme de peinture chinoise. Alors ça reste comme ça. J'enlève le plastique et ça va venir chercher le reflet, en fait, des phylactères et des tableaux. En fait, les mandalas, en fait, sont à l'origine de tout mon travail. Ils relient les choses entre elles. Et ça, c'est une métaphore de la vie, hein. Des gens, des êtres qui se. Voilà. Qu'on se relie, en fait, ensemble. En plus, j'aime bien parce que ils vivent dans l'ombre, en fait. Ils vont chercher la lumière. Donc, il faut surtout les éclairer. J'aime bien cette notion. Mais oui, tout à fait. En fait, ils créent le lien entre les choses, quoi. Ou pas. Ça dépend. Là, on est vraiment là dans l'essence même du mouvement, de l'impermanence. C'est vraiment ce qui peut être, ce qui n'est pas, ce qui est en devenir, ce qui pourrait être, ce qui n'est plus. Il y a quelque chose, c'est très calme, c'est des présences. En fait, c'est des présences. C'est pas, les mandalas, c'est pas des pièces. Mais mon travail n'est pas. J'ai aucune volonté d'être agressive. C'est un accompagnement, c'est une présence, en fait, qui est là, juste là.